Bonsoir à tous et merci de rester fidèles à Talanoa. Feliani Malevaini a Ufulmatahi o Malesio, et ton faipe ite talanoa kit fagamanatu oni u ahotupu. Kwa osia tu yete talanoa kit ta ufangfulu o te falelatio nei, kaito higi maileva ite ahonei, o talanoa kit fagamanatu anai, o te kato atu anai, o te tauhongfulu, o te mauli o te kautahi aini ko te adi i uveanepa mo futuna. Aini la ne tu puait fagafema ite afiafi ya te taumatu aini, ko kristal tokotuu. Ko he matapule e ngāwe, mo inataki e te kautahi i uvenei, o feia ki tona ohoana ia o tilone tokotuu, e feala ke ina hau, o tukuatu ia ni u whakamahino o uhinga pēmu te ungāwe tokoni a te kautahi ki te hahai o tātou. Ka i te lakanga pēmu aini ka inga e tō mamatāngi pēmua ki he kumilongo asoana tufele, ki te tamai aini ko tere mā tuiportaane mai alele, o uhinga pēmu te mauri, whakakautahi lotu, ne e tokoni ngāo kiei i a roi wakasiuola pe moviane si uri. Soyez les bienvenus dans ce nouveau Talanoa, où nous parlerons encore d'anniversaire. Après les 40 ans de notre radio locale, nous évoquons ce soir le 10e anniversaire de l'implantation de l'ADI à Wallis et Futuna, l'Association pour le développement à l'initiative économique. Et justement, pour en savoir un peu plus, nous accueillons sur notre plateau Madame Tokotuu Christelle, manager d'agence pour l'ADI à Wallis et Futuna, accompagnée de son mari, Monsieur Tokotuu Otilone, qui témoignera en wallisien de l'importance de cette association. Nous les retrouverons juste après cette rubrique de Talanoa consacrée à la religion, réalisée par Soana Tufele avec la collaboration de Roy Vakasiuola et Vianesi Uri. C'est parti! Kua tōkaku mai e te kumilongo ka inga ki te tuanga o te kapela ani o te maftaptapu i te palo kia ani o hihifo. Tō fia ilo ki te aluanga pēmo te kamata whakatū mai o te kauhiwa ani o te maftapu e tō whakatahiki e te ahonei pēmo telema tūporta ane. Whakamālo atu, mālo tau kātaki. E kua mahino ki uveane kātoa koko ani e ke pūle te kautahi ani o te kauhiwa o te maftaptapu. E whelalake ke whakamahino mai pene whewhea i e te aluanga pēmo te whakatūtū mai o te kauhiwa ani o te maftaptapu. Mālo sana. Ne, ko te kauhiwa ani, ne, kamata mai e o kauhiwa mahani a alele nei, ne hingoa ia ki te mafuofa. Pene, i te aluanga ai mataku tau haupe o misa mai ki te maftapu, i te umoea ki ae ne whakahoko ai te umisa Dominika, ne whakahoko mai ki alele nei, ki te hae ngau parangi, ke nato a te aina, i te nato ngāue, i te ahatapu. Ko i la aia ne whealai, ke au tau ai te whakaukau aia, kau hau o kore ki te kauwhiri mātua, ke mato kauhiwa, ka e au toi tāna ki mai, i te kauwhiri mātua ae, ne mahino pau ki au, ne mahani anā tau i te hiwa kātiko, mo hiwa i tō kauhiwa. He kā talanoa kauhiwa, ku mahino lepe kā tātou, ko te whaingai o te tōtonga te misā i te ke muri i whakalelei, mo muri i whakamārato loto, e te kāinga furi e nofo i te lato ekarisia. E mori ko he konga, ke tō mo puri temi, mo whakatō te temi kailoa. Ko te konga whaikore, ko te konga whakawikiwiki, pia ke muri i whaunga te hai, i te tōtonga te misā, mai te kamata ki te whakaose. Pia e whewhe ei la te le māmo kā koto hanga o te tui hako tō misa Dominika. Kā teo teo he misa o te kautahi o te maftapu, pia i mua e tānaki i te kauhiwa, i a nātou ae e nātou i loi whaunga, i te ukātiko o te Dominika aia. E mora whaala ia ke au tūua ke i au tōkotai, me Marisio, o mai o whau te porokarama. E au mai i anātou ae e whaala ke matou whau whau whakatahi i te porokarama. Ko matou alu nei, ko aho e tōru, e matou ako hiwai. Ko te whiri e whā, ma te whiri e nima, ma te whiri hano, kai whakamānawa te moia ki, ke mānawa lelei, ke aho tapu ke i kātoa lelei tō leo. Tōna uhinga la tele mai, tako tō nofo ani, ko ko tō hū ki te uwhakatūtu uwhakapalokia o te ukauhiwa o te palokia ani o hifo. Ko mato kau ki e soana. Kai ki te kamata mai, tako kau mai ki te kauhiwa,
ne kei mato hiva pe mato i tō moe aki i heni. Pele kua whakaamu foki i te kauhiva i tana tō kaunga Māori mai, ke mato lola hiva i te ekeresia. Pele au tātā awhipe. I tōna tupuanga ni, ko te mea ane au whakaamu ki hei, ko te loto mooni ki te kauhiva. Ke ki te loto mooni ki te hiva, ke ki te eiloi, e ki te hiva, whakawikiwiki, e ki te hiva, pe amore i te whakalelu i te kāinga ae e nofo whaikore i te ekeresia. I mora ko te kauhiva, ko himea pe ke ki te hau i te ahone o kauhiva, pe a hoko te hoko mai ko ki te puri. Ko te kauhiva, ko te kautahi. Pe ko te kautahi mauhinga, e ko tātou ae tau whakawhaikore i te kāinga, i te Dominika, Lortonga, i tō tonga te misa. Pe a ko te tahikonga ne au whakaamu pe au kiai, ke mahino i te kauhiva mātou mawhatapu, ko te uwhahinga tari o te misa, o tō tonga te misa, e more tonu pe ia ke mātou whetongi i tō mātou lota whaiwhaitariha. E ia i te tohi o te liturusia, ne whakatutu e tū tari, e mō senioro karewe pe a mō senioro resio, ko ia pe a tonu ke mātou muri i. More kohe maua, pe kohe kauhiva ke nofonofo pe ki ipoko i mea, o whaihana tō ia uwhahinga tari, ka e o tō kehe mai tū tari o te misa. E tonu, ke mātou tari pe mātou, ki tū tari aku whakatutu whaka ekeresia, ka mātou whaitari hape tona whetongi pe kohona whasi. Pe a efefea i e te putu ani o te whakalatina telema? E whainga fua te lau te whakalatina, ka e tonu, ke ki ta palalau ki helea e ki ta mahino ki ai. Ko ia ae, e ko te uhi whakalatina pe mātou hiva, ko te uhiva e tapua ki, ae tantu mergo, pe a kaku mātou tō i tona whakauvea, e sa karameta tapu. Ke te whainga a ia, ke auana a tōke he tahi e mauri whaikore i te lido ekeresia, mo te temi a hiva i te whakalatina, e hiva pe fuki te ngutu ia, ka e tonu fuki ke aroe te whakaukau, pe mo te mafu. I tēnā whola ania koutou telema, ke koutou tauhipe, ta koutou umisa a e te umoiaki, o whepe amu ta koutou umisa lewa ani e toko mai te uwhakatutu uwhakapalo kia i te Dominika. I te lakanga nei e tai haupe te prepiteroi mo tana whakatutu, pe amu whakarongo ki te komite pa sogale o te temi a ia. Kai te lakanga nei, ko te whakatutu o te pātere suni i tana tau mai ani, ke misa i ke whaingai, ke misa i te maha afuri i te ukapela. Ko te adonu tupuanga, he awhio i te ukaristia i te ukapela. Ko ia aina whaingai ai, ke whakaonga tu umau i te ukaristia, pe amu whai te utotonga i te misa i te maha afuri o taka i te ukapela. Ko te kapela lani o te mawhatapu, ko te matau aho misa, ko te wherianima. Pea ko ia kore ka pātere suni, ko te wherianima, e tonu leleianga tona whai te riata, e ma opopo mai e te hae ngā aue, pe amu tamarikiako, ke o mai o kau i totonga te misa. Ko te aemoto te uai ki te kula pe amu te hina. I te mafu o te atua, ne huki i te koruse, pe tawhea i te toto, pe a vai. Ko te atuna uhinga, ko te toto, ko te manama ofa i a te atua, pe ko te vai, ko i ae fua e te tōngahala. Ko nā lai e te tupuanga o te whaingai, i te vai, uhinga vai vai, mo te uhinga masiva o te tō Māori whakalau Māori e, ne whaingai ai, ke mato tau paupe i te teu ani, ke hina pe a kula. Tele mako ni ko katoa te okonga furi nei o fia ilo ilo to kia yo hinga pa mo te mauri o te kauhiva ani o te maftapu ani ke takitaki ki ai. Pa ko te ala ia tau whakaamu pa mo tau si o tele ma ki te aruanga pa mo te hoko atu o te mauri whakalao Māori o te kautahi ani o te maftapu pa mo te kauhiva te temi kāhau. E mahino lepe ka tātou furi furi e ku whaingata a te temi. Ka mo re tau nofo e te whaingata a te temi e tonu ke tau whaihana upure aki. E tonu ke tau whaikorei i e te uwhaingata a ia. Ko ia e ko te whakaamu ki tau whanau pe amu tamai pe amu te whae. E iai i e te vaivai tau whilawe pe amu ia, angela ko tau whaenga mea ngāu whou, kua tau whilawe pe amu ia, kua taka mu tau whanau pe a tuku i te tau lota whare, kua leluai i e te temi te tau mori whaikore. Ko ia e whakaamu pe au, ke maalohi tu mau i e te tamai pe amu te whae, o whai i e tana ngāu e whakatamai mu whae, a ko te whakahinohino i e tau whanau, ke kamata mai pe mai te Māori whakalau Māori e, pe hoki tuku muri lewa, ki te Māori ai te hawhuri, ki te hoko atu tona pongpongu. Whakamalo lahi atu tele mātu i porta ane, ki te aluanga tō ofa pe amo tau tari lele foki, i te ukonga furi nao fia ilo ilo atu ki ai. Yo, whakamalo atu soana. A manaki kāinga kua kātou atu i te aluanga pe amo te kumilongo ne e whakahoko mai ki te potu ani o tele mātu i porta ane, o uhinga pe amo te kauhiva ani o te maftapu.
ke manu ia pe ia te aluanga pe mo te hoko atu tana tō unga we tana tō parokia, kai tā whito ki anā tō furi e tā piki ki te kauhiwa ani o te maftapu. E whakawhetai ia pe gisi I taukui ani te aluanga o te whakakolai pe o tōna tō wafiafi. Au sommaire, pour ce soir, nous recevons sur le plateau de Talanoa Madame Tokotu'u Christelle, manager d'agence pour l'ADI à Wallis et Futuna, l'association pour le développement à l'initiative économique. Nous évoquerons le 10e anniversaire de l'ADI ainsi que ses missions principales. Bonsoir Madame Tokotu'u et merci de nous honorer de votre présence. Bonsoir Kasoa, merci pour l'invitation. E au whakamanatua tū kāinga, ne hoki na tō maumai ia te Talanoa I te awhiawhi, e tō Talanoa ki te tauhong furu o te kautahi ani ko te ADI I uwene pe mufutuna, ka whakamanatua nei I te aho uwhuruma ono Malisio ka hoko mai. Tupu angala aia o te whakaawhi e mai I te awhiawhi ia te taumātua ani, ko Otilo ne Tokotu'u mo tōna ohoana, ke nā umai o whakamahino mo vaivai atu, ia te unga o tokoni ia te kautahi ki te hahai uwe mufutuna. Otilo ne Tokotu'u, mālo pēsa au kātaki pā mō te lava mai, pā mō si o ohoana. E fōki mālo kasoa, si whā kātaki pē mō te tūla ki o te ngāwe. Madame Tokotu'u, vous êtes actuellement manager d'agence pour l'ADI à Wallis et Futuna depuis votre arrivée sur le territoire en 2014, alors que l'association était déjà en activité en 2009. Expliquez-nous, Madame Tokotu'u, en quoi consiste votre travail? Alors, donc moi je suis arrivée sur le territoire en 2014, mais j'ai pris l'agence de l'ADI en 2016. Donc là, effectivement, je suis manager d'agence pour l'ADI pour Wallis et Futuna. Dans ces missions, en fait, moi je suis là pour promouvoir les missions de l'ADI. Et je suis aidée donc par une salariée sur Futuna et des bénévoles également qui sont présents avec nous sur Wallis et Futuna. Vous êtes justement la seule salariée de l'association à Wallis et vous travaillez avec des personnes bénévoles, expérimentées et formées pour assurer donc le service. Comment ça se passe pour ces personnes-là, pour ces bénévoles? Alors, les bénévoles, en fait, ils viennent, donc on fait déjà des campagnes, hein, quelquefois, pour faire du recrutement. Ce sont des personnes qui ont soit des compétences en comptabilité, en administration, en création d'entreprise aussi. Et ces bénévoles en fait viennent là pour nous aider à accompagner nos porteurs de projets. D'accord. Je rappelle ici que l'ADI est une association pour le développement à l'initiative économique. Aujourd'hui, Madame Tokotu'u, beaucoup de personnes sur le territoire vivent de leur travail à travers votre type de financement. Concrètement, quelles sont les principales missions de l'ADI? Alors nous, la principale mission de l'ADI, c'est accompagner et financer les porteurs de projets donc, qui souhaitent créer leur activité ou développer également leur activité déjà existante. Et ce sont donc des gens qui n'ont pas accès en fait, au système bancaire classique. Mmh. Donc du coup, ils viennent vers nous pour avoir cette aide administrative souvent, pour savoir comment monter leur projet, et pour avoir aussi cette aide financière, parce qu'il faut souvent un capital en fait, pour commencer son activité. Donc l'ADI aide des personnes éloignées du marché du travail et du système bancaire à créer leur propre emploi grâce au microcrédit que vous pourrez aussi expliquer à nos téléspectateurs. Alors nous proposons effectivement donc deux microcrédits. Donc un microcrédit qu'on appelle mobilité. Celui-là est spécifiquement lié aux salariés du privé qui souhaitent donc souvent avoir un véhicule pour se rendre au travail. Cela leur permet donc effectivement de pouvoir continuer à travailler ou soit d'accéder à un travail. Et le deuxième crédit donc, qui est plus vraiment au cœur de notre mission principale, donc ça c'est le microcrédit professionnel qui est effectivement là pour la création d'entreprise, le développement. Et ce microcrédit, il a un plafond donc maximum de 1 200 000 remboursable sur 48 mois au maximum. Eh bien c'est parfait tout ça. Vous travaillez en collaboration avec qui sur le territoire, Madame Tokotu'u? Alors, nous, nos partenaires principaux, ça va être la Chambre de commerce, la CCIMA. Ça va être également le territoire, l'administration supérieure avec le CTI en principal. Et puis après également le service de l'agriculture et de la pêche. Merci Madame Tokotu'u. Otilo ne Tokotu'u e au fiele mape i te lakanga ani pe e kotea i a te uhinga o te kautahi ani ko te adi.
ia malo ia kaso wenga mo te kau tahi ani e nga o kia i pramu whakafafonga e Krisele i heni i Uveanei. A una ke mauhinga mai tona aruanga e wherape ki e ni ihi ki hahai o tātou i Uveanei mo le wher hana tō whainga mare ke anātou ke oro ki te wharepanga mo rana tō ki whainume le poka hūko ngā whei ke wherafo ke oro o tau mai hūki maua. Kui ae e hanga e whakawhainga maari e mai e te kautahi ani. Ke anato ai e mo whakakaukau, hu whakatūtū. Ke whera ke toko ni ai ki te whakaunuunu ki moa o te maori whakaekonome ka tō whenua. Yeah. Koi la ai e kākoi ai he tahi. E kua mohana whakakaukau whiaunga, mohana whakatūtū ki te kahau. Pea, ura ki peki tona maori oia, pea mo tona ki whamiri. Pea toi toko ni ai fuka ki te mauli whaka ekonomika ani o uwea mo futuna. Koi la ae, e whera lewa, ke hola mai, he more whera nai te wharepaanga, pea hola mai ki te kautahi la ani. Yeah. E whainga maare ki aia, ke hau o kore, ka e maua fuki, e nā ngaro fuki ei, ko tu uko ngai, hanga pe, hana toho he maua i te wharepaanga. E toho te ki maua ae, pea e maua pe fuki, e hui i te mahina fuki. Koe la aia kae e whakawhainga maareanga ki ei, e te ki kautahi ani. Hona ki maua, ke langa aki tana ngāwe, mo tana uwhakaukau ae kua kuna fumoia. Ani la, kua haipe taruia te langai o te kautahi ani, te taumai o te kautahi ki ure ani, tona tau hongfuru la ani ka tō whakamanatu. Pa kua tō mamatanga pe ki te aonga o te kautahi, ki te hahai e haupe mo te tau mo te kaunga maari, ona atou e o mai he kua e whakaro aru pei e te kautahi, pa kua ilo ilewa i ue anei, ne kamakamata mai ne whaingata, ne he ki ilo i e te kautahi, te mila ani, i te aho ani, a umahara kua langi, kua langi ilo i furi pei e te kau uvea, i e te tu o te kautahi, ka he ki langi mahino whaunga, pako tea te whahenga ngāwe, pako tea te whahenga tokoni. Koe la ae, au paralau ki ai i te kongari, i te aku mahino whaunga lewa ki te kautahi ani, ki te mahunga tana tokoni. Mole uilewa ko he foi wharaelahi, ko te langi maurunga pē o te tokoni ani, ko te ki a milio luang e au. Ko te whakalo ai o te maurunga au te ki kai langi au maharo e whaunga pē ki te kamakamata he ngā au, ki ngā au he tahi. Mai te artisana, ki te ngā au i kere, ki te ngelu, ki te ukonga furi aia. Pa kui ai mahino mai, ko whahinga tokoni e lua i te ki kautahi ani. Tokoni ki a nātou ae kusi maunga au e ka e whera ke whiawhehana ki ime haere. Ke tokoni foki he ihi e ngā aue ka tau mamao. E whiara foki ke hau o whainga hana ki me haere ki aru ki tana ngā aue. Koi ae e tokoni ki ai, whahainga i ai ae. Ki te ki uro ki tokoni ai, lua tokoni lewa. Koi ae e kua mo hana matani ngā aue, ka ana roto. Ke toi unu unatu ki mua tana ngā aue. Ka mole hana ki fui, mole hana ki fui wharawhi aungu ke whaia ki tana konga. E whiara lewa ke hau ki te kautahi ani. O whei ape mo he tahi kua mahana whakatūtū kua sio ia kua e whera ke mahana ki ngā aue, hana ki whakatūtū ngā aue. Ke whai a ki tona maori i pia mo te tokoni ki te maori whakaekonomika. O whei ape ki he, ke toi tokoni pē nā e whera hana toi whainga fuafuki he tahi ki mahana ki ngā aue i tana whakatūtū ai, koe la ai, ko te uhingala ai o tiki kautahi tokoni ki he tahi kua mahana ngā aue. Ka e whera ke unu ki mo tana ngā aue. Pe kui hana ki me haere, pe kui ae kua mohane whakatūtū whiaunga, ke kamata aki e te whaiotana kāwe. Whakamālo atu o Tilone, ka e whewhai lewa ia te hahai ae kua letele te whelatana tō mauwhainga maria i te tokoni a te kautahi ai? Ko nā tōrewa ae kua lotele te, mōre ko nā tō ae mau tūki mea ofa, ae tō uila ae tūki mea ofa te tuare, ae ki te tūki nā tōne mōre ngā au. E mōre whēara i ki ai a te konga ai, he kua mahenu pē tātou, e mōre whukilailahi i tuki i tokoni ai teritoare. Ka kona ato ae lo te rete ngā ue, e whakamoni mai tana tō lo te rete ne ngā ue, e whēara pē tana tō kau i te mea ni pē na tō tokoni ki he tahi, e whēara la ke langa tana ngā ue. Whakamālo atu o Tilone. Je reviens vers vous, Madame Togotu'u. Donc, financer, accompagner, contribuer, telles sont les principales missions de l'ADI.
Alors, quels sont les critères de décision pour de l'ADI pour l'octroi d'un prêt? Donc, en premier lieu, il faut déjà que le projet soit viable, hein, bien sûr. Après, en fait, on voit avec le porteur de projet sa motivation, s'il a déjà fait un petit peu de recherche en fait sur son projet, s'il a fait un petit peu une étude de marché en fait, hein, si le projet peut fonctionner. Nous après, on n'a pas de critères effectivement très sélectifs. Il va falloir voilà qu'on voit surtout au niveau du budget s'il sera capable en fait de rembourser le prêt puisque c'est un prêt. Donc hein, c'est basé sur des critères humains et économiques. Oui, effectivement. D'accord. Et qui est-ce qui décide vraiment de l'octroi d'un microcrédit, Madame Tokotou? Alors pour nous, pour Wallis et Futuna, le microcrédit sont décidés en commission à Nouméa. Mm-hmm. C'est la Nouvelle-Calédonie, puisque l'ADI de Wallis et Futuna dépend de la Nouvelle-Calédonie. Y a-t-il une principale différence de l'ADI par rapport à une banque, Madame Tokotou, qui, elle, met plutôt l'accent sur les aspects financiers? Alors nous, par rapport à la banque, bon déjà c'est du microcrédit, donc c'est des petits prêts. Hein, et c'est vrai qu'on peut en fait se permettre, on va dire, hein, d'aller sur des projets en création où on n'a pas de recul dessus, mais à partir du moment où nous on croit au projet, où le client croit surtout à son projet, s'il est accompagné, on se rend compte que le prêt sera en général remboursé et que l'activité va fonctionner. Et c'est ça en fait qui fait notre différence par rapport à la banque, c'est que nous on accompagne le client. On va le suivre avant son projet pour le monter, on va le suivre pendant son projet. Et même après, dès que si le prêt est fini et que le client reçoit un besoin d'accompagnement, on le suit également après. Donc c'est ça en fait qui fait aussi la différence avec la banque. Donc vous accordez une place au dialogue et aux critères humains par rapport à la banque. Oui, nous c'est ça en fait, hein, notre créneau, on va dire, c'est plutôt ça, c'est faire effectivement du prêt bancaire minimum, mais c'est surtout l'accompagnement, c'est surtout voir voilà, avec le client ce qui est faisable ou pas, et c'est l'accompagner, oui, c'est le suivre. Merci Madame Tokotou. Otilone e ke longa mai pege tu whakamahino ku vaiva mai e si o ohoana u hinga pa mo te upoto e ma ua ke ina tō whakasiosio i mua o tana tō tarifuki e te ukore tokoni pa anga te haa i. Ko tea te upoto a ia e ma uhinga kehe ki te kautahi Otilone. Hanga peko tōko ngane ko tuku atu i te tona whakawharani. Ko tona kehe kehe a nifuki o te kautahi ani pe mohetahi e ngā o te wharepanga e aru whetana ko ngai te wharepanga. Ko tana aroanga ko te kautahi e na muri ia ia i aeha o whaetona ki ma ua ki tana ngā ue, mai tona teu teu i. E teu teu i mua, o whakamahinoanga, ia i fuki ihi o mai, ki papoto e te whakaru aru ki whaifara. Pe whakamahino mai fuki e tana whakatūtū tana ki ngā ue, pako tea te konga ae aru ki ai. Pe asio i lewa, e te kautahi, ko te ki ngā ue e wheareke tū o Taruai, pe wheareke aonga, ko e lai a te teu teu ia ai i mua o te whakanga fuarewa o te ki maua, ai ki ai kena to'o. He kāpau whuki o mai e takape ihi, whuki whaku o sio ki he konga, pe whaka alu tana whakakaukau, ko te konga ai au whai. Ka mua le wheaonga tana whakatūtū, pe ko he konga nai e aru e fuaroa, pe ko he konga e whera ki tana ki te mauri whaki ae o ia, pe amo te mauri whaka ekonomika e whera ke tauhoa. Tō konga la aia e whera le wake heu, pe ko te kautahi, ena tō whakatūtū pe amo ia, te paralau i whaki o te konga, pe whera ko he konga e haere, pe ko he, nā i e hou konga ia, ne mole whera mo tana whakaukaui, ka na whaihe mea, ena elu lepe, mole fuaroa, ko e la aia. Pe kā ko sio lewa i ai ae he tonu whoki ke tui ki tana konga. Ka pao ia hau whaiki he konga mōre tui ki ai, e whewara pē ke tū wawe tana ngā ue. Pe anato whakatūtū whakatahi lewa, e kua anato ku mahino whiaunga i ai te konga, pe hoki whai lewa tūki formation. E whewara whoki ke hange, mōre whoki he ki poto e te whakatūtū la tana fwoi whara, pe whewhai tana whai, pe amo tana ki fwoi whara whoki aena mau. Ai te i tona ki Loterete, puko tana ki ngā ue, whaia ki ia tana ki ua ua ai hau kore mai, pe whaunga. Ka pau e whaia tu
kuna to fai fai ta pa mote mote ko tu ta nan to fo ka ka mote mote ka ta hi ani ko ta di pe fere leva ke fai ate te ki te to si fo ki ate ai 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 ha ko ta na ki mawa pe o si leva e a leva te to si e ki nume ko nume van to fa tu tu ate to ki fo no pe le pe ka ka le pe to na nga we i u vanei pa fere pe ke va pe nga we nume Formalo tu otilone a fita o fima pe e tau palalau tarumana nei o hinga pe mate mauri faka ekonomika e ausio otilone e mauhinga ke heke a koe ia te mauri faka ekonomika ko te ia te uhinga o te kong aia ke a koe otilone e mauhinga ke au mai dona ruanga e ko tu tokoni furila ani e tukumai tu fainga mari e tukumai e tukumai e gata tu ani ko te uvea ka tu fainga te langa e tu fenua ke tau tui ki te ki tau konga tau fai he mo reta hia hau fai te mauri faka ekonomika tato ko te uvea pe mo te futuna ana 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 pure ki tona fenua ko ia e e to fanga mali to kumai pe to faka aonga faka lelei o fai ki tonga o to faka tu tu tato e fer pe ke to to koni ki ai ai mo ia e hange pe mo le arta na faka ko ite konga ai faka ekonomika o faka mo heno ki ai to konga ko ela I te kong ae au tatau atua ia te mauri whaka ekonomika tātou, he whakalonga pēki te uwea mo te futuna, tōna whakatu utu o tatu whenua, tōna haihari ki mua, mo tōna horomuri. Kā tō roto ke oru ki mua, e tō whaka aonga I whakalelei atu utu koni kua whearake tuku mai. Tō tātou utu o konga, o kamata ake te tō ngāwe, pē a tātou e tōna ngāwe, ke aru ki mua. Kā tō ngāwe pē tātou, o whakataritari ke tō au mahe tahe tokoni, o tō whai, o si pē te tokoni, pē tō taritari ki hawe, mōre whearai ki unu tātou ki mua. E au mai tō tokoni, pē tō whaka aonga I whakarelei, ke aru te ngāwe ki mua. He, ko te konga ae pē hange whita ae pē taku whakau kau, e tō suonga pē tau ki imotu pē, pē veri veri angarai a tātou, pē hange pē ko tātou. Hange ko Saint-Pierre Miquelon. Hange ko Saint-Pierre Miquelon, ko te motu whukila ae, e tau whakatātā pē ki ai, e veri veri angarai a tātou. Ka ko te konga whukila ae aia, e whakalonga pē ki te whenua, ko ila ae a tātou, tona whainga ai. E tuku mai tō whainga maari, E au siope, e lai taha uvaenga pa angaia. E te ori liuia ki wharani. He siu mai whakina atau, e more tau, pe more tau popoto e tona whaka aonga, pe more tau fia whaka aonga. Ka koutu o kongara ai, e tonu ke mahenu ki a tātou, e e tu whainga maari e tuku mai, pe tau hangara atau tu whainga maari ai, o whau aki te tau whenua, he, ko te whenua ko ni pe, e te koroa, e le tape. Ke a tātou tona whakatutu, a tātou tona whaingai, ke tu, E i tuku konga e tuku whanga maari au mai ke whai ake te ngāwe, pe osi, pe tō ngāwe, pe aru ki mua te maulio tātou, ko tātou pe atou langa e tō whenua. Ka kutai te upule aki o Tilone toko tuu e ke sio whalala tu ki ai, ke langa langa aki fuki e te mauri whaka ekonomika o vene muftuna. E mōre ui ake tō mua emisi, ki hou konga hou ngāwe lelai, mō hou, mōre hou koram o hingai au mai te kere hanga e ko te uwhenua ae, ko no mea te ni kare ko te hau whenua atu whei tu. Ko te atu e ui whoke whakawharani ko te sekteo primer. Ko te kong ai e whera ke whai ake te tō mokri whai ekonomika. Tō hanga o tō e tō koro ai a, ai ne tuku mai. Ko ni tō hangara ko tō selevisio te ati. E whera pē te kamata ake te ki ngāwe oro tō mahe ki ima oa whai. E ko ie pē tō whai whai takianga. Te uki hahai. Ne o mai to e e te e to to koini ani o fai ake o kamata ake tanto nga we ku aru lae ki mo. E whara nei ki tō ahu ani ka hako mai ki o mai o tukua tanto whakau kau tō kong ae tō to koini ane abangke kon tō hanga whaka aonga. Ko e la i a tō whai ae ka more aonga ke tō siwa te tātou ki tō whenua ae e tanto u ko ni te tō ko te kere tātou a tō nga we kere mo te tai. Ko ni mo tātou mo tō whangai manu e whara ke tō whaka aonga e tō kong ae. Ke he pēla ae ke tō whai pēta tau ki tō kong ae e uwea nei, o ke tō mauri ake tō kong ae whera ke tō whai uwea nei, ka e tōko te tau oro kumi mai te mea ae mai tō whenua, mai whisi mō New Zealand wa mea, tō mea pe ae whera te tau tōi heni, ae ke tō mauri ai, tō whainga e pēra ke tō whai te kong ae, pa kato whai whara lai ae tō riki he, tuku pē uwea nei, o whai ake pē, ia te tō mauri whaka ekonomika, o aru aru pē ki mua. Ko e la, tāku whāhinga whakakaukau e whērakau tuku ata. Ia, e hiku tā tō liru mai pē ana iang e o Tilone, au hinga pēr mō te whāhi aini e te maori whaka ekonomika. Je reviens vers vous, Madame Togotu'u. Donc, quels sont concrètement les montants d'un financement ADI et sur quelle durée, s'il vous plaît?
Alors, pour le crédit mobilité, donc pour les salariés hein, particulièrement, le montant maximum c'est 550 000 francs pour un remboursement sur 36 mois maximum. Enfin, donc, de façon à permettre des échéances modérées. Oui, voilà. Les échéances dans ce cadre-là, en fait, avoisinent les 18 000 francs, on va dire. Et bien sûr, de rembourser rapidement. Oui, le plus rapidement possible. Disons peut-être pas le plus rapidement, mais le mieux possible. Donc, faut-il une caution particulière pour avoir un microcrédit? Alors, nous ici, comme partout, hein, on demande effectivement qu'il y ait un garant sur les dossiers. Donc, le garant, en fait, il intervient dans le cas où le client ne peut pas payer une échéance. Et on demande à ce qu'il soit ou salarié ou retraité, de façon à ce qu'il ait quand même un revenu qui lui permette de subvenir, si besoin, au remboursement de cette échéance. Et à peu près à hauteur de 50%. C'est sur 50% au maximum de la totalité du crédit. Et vous voulez aussi vous assurer, Madame Tokotou, que son entourage croit en son projet également et que ces personnes seront prêtes à le soutenir. Oui, alors effectivement, on se base effectivement beaucoup sur l'entourage, hein, sur nos clients. On ne fait pas confiance, on va dire, au fait qu'il ait des diplômes ou pas. Ça ne rentre pas en compte. Par contre, ce qui est important, effectivement, voilà, c'est son projet, c'est s'il croit à son projet, si son entourage, effectivement, s'il est suivi si ne serait-ce que son conjoint, voilà, croit en son projet, si son entourage familial aussi, hein, ou des amis. Donc c'est vrai qu'on voit, en fait, de temps en temps, faire des appels sur l'entourage familial, de savoir si le projet est viable. On évoque justement l'entourage, Madame Tokotou. Le conjoint ou la conjointe pourra se porter caution du prêt ou non? Non, effectivement. C'est la seule personne qui ne peut pas se porter caution. Pour quelle raison? Ben parce qu'en fait, en général, si le client n'a pas de quoi payer le prêt, forcément, en général, le conjoint n'a pas non plus. Merci, Madame Tokotou. Otilone itao mahino e fer ke kaku yate tokoni panga de kautai adi ki te fia. Pea e fela ke hui tua fia ia te kole to koni aia. Tu whahele wae te whakalwaro o tō paanga. E anga pela ko te kongana o tukua tō nai. E fela pe, ki te maorunga a e whakatutu ana ngā we. Ki te ki a miri o lua ngai au pēwhukele. Ki anato ai ku ngā o papārangi. Ai ku ngā o papārangi. Pea, mori ko ia ke ngā o papārangi. Ko ia ai, e kotana ki whakatutu. Siu e fe aunga e tau hoa pe amote mote siu foki ani ate kautahi pe amote mote falala ate ati ae ani e fara nai ke mahu i foki ate konga ka kote ki kote prafo aia e mora fara ite uruaki ite uruaki maua kote na hoenga ko hetahi pe whakatutu ngā aue pe ko hetahi ko ngā aue e to openda na maua e uruaki to atu pe mua i laro kote na hoenga e tonu mua ki ate kautahi ke nasio i mua foki te uroki maua pe fea fea. Ka fea te lewa te uroki maua e lelei pe te whelongoi pe amotona hui, pe a fea la lewa, ke toi hau te lua lewa kua unu te kua haka hakea te lewa ia te maua ki arunga. O fia ia te ki uroki? Ko te uroki, mora ke heki au... Nimange au, nima ufua. Hangar ko te ewe malaro pe te onange au, he ko te kotona hivu, ko te uroki, ko te kotona parafo pe, ko te milio luange au fuki. Ae fea ke aruki ei. Tuna huinga ko tuna vai lua pe a fer ke alu ke ulua ki tiki ulua ki maua. Ko ni fuki mahi no mai mai si o hoa o tilone e maua ki ia he tahi ke ina to e tata o fuki to koni fuka mo oni a te hoa a he tahi fuki tana langa ngā ue ke ina to e to e mahi no mai to hoa hange la ko au e mole fela ke au kore ki toku o hoa nā ke ina fuka mo oni fuki e taku kore ko tae tona tupua. E a mahalo e tōu mahenu tata upe ki tōu konga aia ki te ki he loto whare. Ka he tau mātua ko he kua tua ka he tahi o whetona maua. Pe ka e mōre mahui. E a mahalo e mōre lātou e mahui a ngai ai tō nā whene matua. A mahalo ko te ki fwe whara fuket loto whare e nā whai whai tahi pe ki fwe whara loto whare. Kui ai ka e nā whelo ngui pe. Kui ai mōre whera nai ke tōi he tahi i ti tau mātua. Ia te whakamu oni pe o tōna hoa mōre whera ai. Ko te fuki fwe wharape fuga te leo te whare.
Kau te fia liu mai o te lone ki te maorifaka ekonomika, e mahi no ki a one e koto folaufuki i te u ahoko hiria tu ki falani. Ko te a te u koloane e koto olafaka haha i falani. Ko te folau aia aroa ki te whakatau pie pie lahi aia i falani, ne fai ai. Uro ki pe mua, ko te oro whelavei. Pea mona tau e takitaki, I te langa langa I foke, ngā au I mātou, ngā au pia mo te kautahe foke, ane o se se e mā. Ne kua to'o pēta mo te u whetaura ki mo nātou, o ratu, ki te ura ki pe aia, ki te whau whau foke a o te se se e mā heni, e ia I tō konga, ki te whakaunu unu ki mua o te ngā au. Lua, ko te ora whaha, I atu u koroa tō whenua u vea mo futuna. Whaha, ia I tū Pe whewhai tana tō sio mai whoki. Te sio mai a te u whenua aia, ne mato ne ori ki ei, e u whenua e whoki tō u whenua whoki ke hekehei te mea, ka tā whito, ia wharani. Ken tō sio mai, mōre ko te hingoa pe u vea mo whutuna, e sio e longo ki ei televisio mo te lātio, e e whiki tō u konga e o mai tō kuanga ki he, ko e la, ia te konga ae, e whiara ke whai atu u vea mo whutuna. E e hangarā ko hu, e tō u vahanga paangai au mai, ki te whai tō ngā ue, mo tō ngā ue, pa e abatu fuki te fua atu ko ngai a abatu fuka hatu ko te fua atu nga hau ane mato fai pa ko ela ia te koroa o vea mo futuna e fera ke fai mai ki he ko ela ane ulo ki pe ko te fuka hau vea mo futuna ke ilo ke ilo ia te lua ko te ukora ta to ke avea fuka ha pe amo fuka ia hi fuki pe fe fai tona o ko ela ane ko a langi mau pe ho longo I to huri to ha ko huri atu ki te taulea kareka au pito o tō kora o vea nemu futuna. Ko ila ae e au amana ki au ki te kāhau, e whera ke lahi angana te whaifaita ki au tō konga ani. Ke abatula, ke tue tokoni aipe, mau epe te ki ufui wharafoki o tātou, oro ki he. Ka tō oro atu mwhaikonga ko lahi lahi, mua tahi I lahi au konga anga whau. Ko ila ae I te tau ani, ko au mai, ko ailo I a tō konga ae ko tonu ke whai. Ko ila ani ko kamata e kamata te ngāwe ani o te te watu ki tau ani kahau ke whewara rāke o rātu mohe konga ko ulahi lahi ange pē tue mata lele ange fuki lahi. Ki whakamālo atu o Tilone. Madame Tokutu'u, qu'est-ce qui se passe si l'emprunteur n'arrive pas à rembourser? Alors, si l'emprunteur n'arrive pas à rembourser, dans ces cas-là, en fait, on a une procédure bien précise. Donc, on appelle d'abord déjà le client pour savoir pourquoi il ne peut pas payer. Soit on arrive à trouver un arrangement, c'est juste un petit retard de quelques jours et on patiente. Soit il peut pas payer, dans ces cas-là, on fait appel à la caution. À la caution. Et c'est ce qui explique donc l'importance que l'ADI attache à l'analyse du projet avant de le financer. Oui, effectivement. Ouais, ouais. Et après, il faut savoir que sur Wallis et Futuna, le fait qu'on soit proche quand même de nos clients, puisque le territoire est petit, donc on est quand même en lien direct avec eux et relativement souvent, c'est vrai que nos taux de remboursement en fait, sont très bons. Et jusqu'à présent, vous n'avez pas eu de difficultés concernant les remboursements? Si, bien sûr, faut pas non plus, c'est qu'on n'est pas à 100% de remboursement. On en a quelques-uns qui, effectivement, l'activité s'arrête, la caution, après, ne remplit pas son rôle non plus. Ou effectivement, dans ces cas-là, après, on a ce qu'on appelle le fonds de garantie. Mm-hmm. Mais avant d'en arriver là, voilà, il y a toute une procédure de mise au contentieux, avec une procédure au tribunal, et où le client, en fait, devra être amené à rembourser tout de même ce prêt. Et le client sera en interdit bancaire? Oui, maintenant, en fait, depuis cette année, hein, deux échéances de retard, et le client est mis en interdit bancaire par l'ADI. Et pour quelle raison, Madame Tokutu'u, l'ADI applique-t-elle un taux d'intérêt, puisque c'est une association? Alors, l'ADI applique un taux d'intérêt parce qu'il faut bien sûr payer les charges déjà de ses salariés, de ses charges de fonctionnement, hein, location des locaux et tout ça. Et puis également après, on s'autofinance également. D'accord. Ça veut dire qu'on est subventionné une partie ici par le territoire, mais l'ADI aussi, on s'autofinance, donc on remet cet argent-là pour prêter à d'autres personnes. Donc je rappelle, ce qui vous différencie avec la banque, c'est que vous financez des personnes auxquelles la banque refuse d'accorder un prêt.
Alors, ce n'est pas autant que la banque refuse d'accorder un prêt, c'est surtout que soit le client déjà n'a pas de compte bancaire, donc forcément il ne peut pas avoir un prêt à la banque. Et après, c'est souvent des petits projets donc, qui démarrent et la banque n'ira pas pour des raisons où ça ne lui rapporte pas. Et du coup, nous, on se lance sur ce microcrédit, sur ce microprojet. Mais le but, effectivement, c'est que par la suite, au bout d'un prêt, deux prêts, trois prêts, peu importe, hein, que l'activité fonctionne de mieux en mieux, c'est que notre client puisse avoir un compte bancaire et puisse après accéder au prêt bancaire classique. C'est parfait. Et Fefele va otilone, mokai mole lavahui et hetahi, si anato konifala, qui te kautahi. Quand on a fougé, il y a fait la paix à Kehok, pas qu'on a fougé la fougila. Ulo ki pe moi e felongo i pe moi ia te kautahi pe a moi ai ma te ko ia ia foka ai mole ke hui ata na mau to na mau pe e ka fa et foki e fa ingata mole tu ai pe ta na ia foka fe fe ka foki mole hui to na mau pe a fa leva ke pa foki leva ke ai ai foka moni ki ai foka moni ki ai que fai fuki te pena que na fai fuki te con ai ai na hanga fuki o fra moni fuki pe ka fai te pele vai ai e no ai pe a i leva tu con a fuki te hanga fuki e muri le vai te sustisia fuki na tu te kauta hi fuki pa ka ku fai pele vai ku si i leva te vai na tu vai na pa fuki hanga u fla te fo te ka on ti fuki Ena ko ile vai ena hanga foki ka ta ma foki te konga ia ka e maheno pe e maheno mai pe te hita hinga ia te konga ia hoko ta fitu uvani e ko te hanga pe ko te toki fenua e velveli pa fa la pe te felongo i ko te na taula ia hu i maua ko vi e no fone ia uvani ta ku maheno tu e le le yanga nei e te no fani ate fulfuli foki Yeah. Ite faka fo 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 ki te hahai uwea nei. Ko ia e more ko to ia whenua e i e pētu ki hai e whera ke tō tōtan tō konga ka e elelei pē te hui maua. Yeah. Pe i tau faka fo fo alewa o Tilone, ko te uki i matani ngā ue, langa ngā ue whea, a e lahi e tana tō kore tō konifugi ki te kautahi ai ni. Ko te atau tā afiki ai. Yeah. Uloki pē e ne whakawhainga maare whu ki anā toa, mahan tō whu numelo. Ata mura fo numero sala pa nga mura sala fo kan to oro kore ma o sala pa nga ya e fela no to mai o fai fai nga i ka uta hiani o hanga pe ko to konga ne to kon nai ka ku fai to ku to no ku to le lepe pe fela le ke tari dana ki kore pe ko to na ru nga e na to le va e an ton to fo numero ka mo fela ke tari te fala pa nga ko to na ru nga e ko to ki ma wa fo ke ko to ki ma o le liki pa e ko to fala pa nga fo ke mo ha fo e ke na to ko ki ma o le liki ko tu ko ngai ai tu mai tu ko hawa tu mai mo fa ngai ke ana tu ko ya e hola mai ele ba kite ka ta hiani pe ka fa ye tu ai ko u ro ki ma u ko ha le le pe o spe ta to ta ki ma o fe fe ye pe ta na o ku alu alu ye te ki ma ta ni ngai ko la hele ba o fe ale le ba ka ba ha na fo numero be fe ale le ba ke to ha na ho na ho na ma o la la hiani le ba fa le ba nga ko ta le ba ho ki fa hinga langa nga we fo ki o hanga la ko te ki ka hu o te ki ko to unga we fulfuli pe ia. To unga we fulfuli pe a e hanga pela ko te gonga ane tuku hato ana nai. E whewara ke i te whelongoi, e whewara ke haere, tokoni ki te lotofare, pea tokoni ki te mauri fuka e whaka ekonomika te whenua. Ko i lai ka kutu ki ngā we fulipe ia mai te ngelu ki te ngā ukele, ki te kua kauhuo, ki te kautui. He te artisana pe mo to fulfuli pe to ki ngau pe mo na to pe a ku simo han to ki ngau ga han to ki me haere ke to ko ni fo ki te o a en ngau he mo fo ki amo sian ke tu ku tanan ngau he mo la ba ku te ngau ko ila e fer ke to ko ni ki ai ke hana ki me haere ke hawa ki te ngau fo ma lo tu o tilone madame to ko tu quels sont les services d'accompagnement proposés par l'association en complément du prêt est-ce qu'il est payant? Alors, les accompagnements non, ne sont pas payants, sont gratuits. Oui. On fait des accompagnements, donc ce qu'on appelle soit le bien démarré, chez nous on appelle ça comme ça. Oui. Donc ça, c'est plus spécifiquement sur des procédures administratives, savoir comment s'inscrire au registre du commerce, voir pour la patente,
Voilà, même avoir créé un compte bancaire, voilà, c'est plus sur des procédures administratives. Après, on a également ce qu'on appelle, nous, l'éducation financière. Donc là, c'est en fait donner, on va dire, une initiation sur la gestion d'une entreprise auprès de nos porteurs de projets. Donc, comment mettre en place, déjà tout simplement pour commencer, un cahier dépenses-recettes. Et après, effectivement, on peut évoluer sur une formation un petit peu plus poussée pour faire un petit peu d'épargne, investir, etc. Donc nous, c'est vraiment les deux formations, je dirais, celles qu'on fait le plus régulièrement et qui sont totalement gratuites auprès de nos porteurs de projets. L'a dit Madame Tokoto, peut-elle intervenir auprès d'entrepreneurs déjà en activité ? Oui, on intervient et pour de la création et pour du développement d'activités. Après, normalement, on ne pouvait plus intervenir sur des entreprises qui étaient déjà créées depuis plus de 7 ans. Oui. Et maintenant, on n'a plus en fait cette barrière de durée de création d'entreprise. Vous avez été dernièrement, Madame Tokoto, pendant 2 semaines pour un séminaire en métropole. Racontez-nous ce que vous avez été proposé lors de ce séminaire en métropole. Alors effectivement, ouais, on a eu notre séminaire. On a un séminaire annuel pour tous les managers d'agences et les délégués territoriaux. Donc là, moi, je suis partie donc ici pour Wallis et Futuna avec 3 collègues de Nouvelle-Calédonie. Et en fait, ce séminaire donc nous permet déjà nous donc managers d'agences et délégués territoriaux de nous retrouver et d'échanger en fait sur les pratiques que chacun met en place au niveau de son agence. Soit sur des pratiques managériales, soit sur des pratiques d'accompagnement également. Et donc du coup, en fait, ce séminaire a duré 3 jours et on a fait beaucoup en fait d'ateliers sur les missions de l'ADI, bien sûr, hein, et sur, comment dire, sur ce que chacun met en place et ce qu'on peut améliorer, puisqu'on fonctionne en fait sur un plan stratégique qui dure 3 ans. Et donc chaque année, en fait, on doit mettre en place certaines choses nouvelles sur nos territoires et pour savoir un petit peu les bonnes pratiques que chacun met en place et ce qui est possible aussi sur chacun des territoires puisqu'on a tous des territoires différents. Mmh. On vient de métropole et d'outre-mer. Donc c'est vrai qu'on peut pas mettre partout les mêmes choses en place. Et en tant que manager d'agence pour l'ADI à Wallis et Futuna, Madame Tokoto, qu'est-ce que vous avez proposé lors de ce séminaire pour UVA et Futuna? Alors nous, pour UVA et Futuna, ça va être cette année de plus être en proximité en fait avec nos clients. Parce que là, jusqu'à présent, c'est vrai que nos clients venaient plus vers l'agence. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est nous en fait qui allons essayer de nous déplacer dans les villages, faire des réunions d'information. Des offres de proximité. Oui. D'aller faire des programmes. Donc, merci Madame Tokoto. Les entreprises créées avec votre soutien réussissent-elles à Wallis et Futuna? Alors, oui, on peut dire que oui. Oui, 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 puisqu'en fait, on a un taux de pérennité donc de 80% sur 2 ans et bon, qui descend sur 3 ans à 62%. Signe donc que les créateurs d'entreprises que vous financez sont sérieux, motivés. Effectivement. En tous les cas, merci infiniment Madame Tokoto d'être venue sur le plateau de Talanoa pour nous parler des missions de l'ADI à Wallis et Futuna, ainsi de vos projets, les projets pour son 10e anniversaire qu'on n'a pas vraiment eu le temps d'évoquer. Un dernier mot Madame Tokoto? Ben, je vous remercie beaucoup. Effectivement, rendez-vous le 26 mars au matin pour, au marché de Hakaaka pour fêter les 10 ans de l'ADI sur le territoire de Wallis et Futuna. Merci Madame Tokoto, bon vent et d'avance un bon anniversaire pour l'ADI. Voilà,
Kumalo tu otilone. I te lakanga leva ani ka inga e tuku whakanono wa tu leva i te whakatahi a te palo ki ani ko hifo. Ne ta i te ahonfulmatahi honfulmato lusilo o suri o lua whemahiva i sangato soane. Nous poursuivons avec la danse collective de la paroisse de Hihifo, qui s'était passée lors du concours annuel de danse traditionnelle du 13 juillet 2009 sur la place Sangato Soane. En voici un extrait. Les archives de Manatou'i pour Talanoa vous proposent ce soir d'assister à une session budgétaire de l'Assemblée territoriale en 2005 concernant les dossiers des jeunes boursiers de nos îles et des aides aux personnes salariées. Konile vakainga ye upa pa ki ta ofio he fakatahi talanga te fono fakatel toale ite lua femanima
Kona ona whakamatala e tuku tonu atu e tuta tō pilotala longo. Te mahina o Marisi o Kohiri, ne bo te ia e te whanu whakateri tuare i e tonu anga whakakau whono e tōru, o uhinga tā whita mo te tamariki uwea mo futuna e nofu ako nei te uwhenua tai. O te utonu anga whakakau whono a ia e whea lai lewa, kei whua ki te tokoni whala te teri tuare ki anā tou, o muri muri ki tona te utohi. E tonu ke kotau i loi, ko te tokoni e tuotahi pētona whua ki te tau, pe a whakatua koi ki a tau e tōru mo ka pau e hoholo lele te akoa he whānau, mo hiki karasi tu umau. Ni o te fono ani o te fare fono te rituare o te iete whaenga whara te lua whamanima. Pea hoki to oile i tu deliberation la ni nefo, ki tu umatu mawhana te pongpongi hune. Nu mele hongo furmatoru o te lua whamanima, nu mele hongo furmafa lua whamanima, nu mele ua furmaono o te lua whamanima pe ko te ukonga fo o. Ui pe ko te ukonga ne ki suki ai, mai te usandika, ki tu umatu mawhana o ne na tau loto mamahi. Nga ani ne more fe aunga ia te vahe vahe o tu ofa, koi ani e tu pua ia te ukonga, kua si eifa te pure anga amat whono, ni kutonu pege e hoki konga whene ki whakahoko. Koi ni kua tau lele, te uwhakatu utu ufu ou, he kua whaia e mo te toko ni ki te hae ngā o papalanga ina tau tatongi te ako ana tau whanau, ko te fuolele e ia o tu uwhelawe e putu putu, ne whaia te hae ngā o papalanga te usati kā mo te whono. Kei tau pelewa, ke whakamalo to loto i te kumi o pepa furi e aunga ki te hu ako, ke muri e te mao whanau ki katoa, kai kata ki te ako a te uwhanau, ke ie hona fua ki a muri. Hiva komunio ne e whaofa otonuia e sosefo tuiseka, pe a hili atu lewakia ia te leo maarie o Gabi Katea. Tuifio a kia toepe ia te ofake la hekisi i koto ko te kainga e hanga mai. Pour bien finir notre émission, nous vous proposons cette chanson interprétée par Gabi Katea pour vous souhaiter de bien continuer votre soirée avec nous sur la première. Kiviki, saile mai kolo tatou ariki, lei nei katou ano otari, nona tino ke tou mauri ai. Kuai fokore ariki atua, uangai mai ki ataua, kile saka la meta tapula, ke mauri ko ana whana ura. Aula ke tou ano tari, no latino, mole pane vino mole vai. Nei nei, kole ne akai, ua soli, soli mai elona mafi mafi. Kolona alofa kilana kakai, tou ano, o kai moino kiai. Na whakapasi ka te, na whakaliliu aile pane, mole vino ti mumori ake, i mu aolo na mate. Lale tangata na sala, o tangiti mo whaka se mala, lou lou toki whakamavaa, ka saele mai kole tuku ana. Malo se sule alofa, kia te au, anga sala timone anoa. Kai kei fo mai ono fola, o angai, whakarilo i le tapena kulola. E whakamauri ai le tangata, kua singa i le anga sala. Aula ke tou ano otari, lo latino, kole pane vino mole vai. Nei nei, kole ne akai, kua soli, soli mai e lo da mafi mafi.
ona alfa kila na kakai toa o kai moino kiai kolona alfa kila na kakai toa no o kai moino kiai. Peko seto e pelewa kainga pa motete mi felave e gita fia fia ni, faka malo ato e pe gita alonga tako to fia mamata mai, ke tolele ia te pokato a ni kia koutou tatau, e hukito to e whakatahe fene pe la ki apungpungi e moto o fatu. Talanoa s'achève pour ce soir. Merci de votre fidélité à nos programmes qui restent toujours disponibles en replay sur le site de Wallis et Futuna La Première, sur sa page Facebook et en intégralité sur notre chaîne YouTube. Excellente soirée à tous et à demain. Thank you.